dans un voyage abasourdi que je fais lorsque je m'ennuie. J'ai imaginé sans complexe qu'un matin j'ai changé de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Femme des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins Colombine Carlequin, sachant pianoter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PGG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service et donner le sein à mon fils. Femme cinéma, écrivain, à la fois poète et mannequin, femme panthère sous sa pelisse et femme banquière planquée en Suisse. Femme dévoreuse de minets, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique, une maîtresse messaline et contremaître, tresse à l'usine, faire le matin les abattoirs, et dans le soir et le soir, femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agent secret, femme générale d'aviation, rouler des gamelles au planton, être un major promotion, parler silence, ceinture marron, championne du monde des culturistes, et mais si, impératrice, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, en robe du soir à talons plats, qu'on voudrait bien appeler papa. Femme pilote de long courrier, mes femmes à la tour contrôlée, galonnée jusqu'au port jartel, au steward rouler des pelles, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire bander la France. Femme et gardien de prison, chanteuse d'orchestre et franc-maçon, une stripteaseuse à corps perdu, emmerdeuse comme on n'en fait plus. Femme conducteur d'autobus, bordéole, vendeuse au plus, qu'on a envie d'appeler Georges, mais qu'on aime bien sans soutien-gorge. Femme des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins Colombine Carlequin, sachant pianoter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits. Femme cinémaste, écrivain, à la fois poète et mannequin, femme panthère sous sa pelisse et femme banquière planquée en Suisse. Et femme dévoreuse de minets, femme directeur de cabinet, à la face sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique, être majeur de promotion, parler six langues, ceinture marron, championne du monde des culturistes et messici impératrice, femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agent secret, femme générale d'aviation, rouler des gamelles au planton, femme pilote de long courrier, mes femmes à la tour contrôlée, galonnée jusqu'au port jartel, au steward rouler des pelles, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire bander la France. Femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins.